On va regarder. Ah, le jour où Kobe il est venu à la Drew League. Ça, c'était pas mal, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette vidéo. Kobe Drew League. Ok, Hoop Mixtape. Ouais, c'est celle-là. Ok, on va regarder. On est parti pour Kobe à la Drew League. Kobe vs James Harden. C'est une dinguerie. Putain, Kobe, c'est un bon. R.I.P. Kobe, man. For sure. Et vous avez vu, les gars, les deux joueurs NBA, ils se défendent les uns les autres. Ce qui n'est pas le cas dans les Open League d'aujourd'hui. Les joueurs NBA, ils se défendent plus. DeMar DeRozan. Là, regardez, DeMar DeRozan, Kobe défend sur lui. Bonne défense. Ah bon, Kobe, tu vas pas lui mettre ton fadeaway sur fadeaway sur sa tête, hein. Mon gars, c'est Kobe, mon gars. Tu vas pas lui mettre fadeaway sur la tête, quand même. Oh! Il est trop easy! Putain, ça c'était prime, ça. Oh! Oh! James? Young James, quand il était encore in shape. T'as l'impression que c'est trop facile. Genre, c'est pas facile, hein, mais t'as l'impression. J'ai l'impression que c'est archi facile aussi. Alors c'est pas archi facile. Let's go Kobe. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans l'équipe de Kobe. Enfin, il n'y a personne que je connais en tout cas. Ah, dans l'équipe de DeMar DeRozan, il y a James Harden, il y a lui. Purée, ils ont même pas les mêmes. Oh! Et moi. Il lui a dit faut mettre des shoots, mon gars. En gros, tu fais que driver, faut mettre des shoots, gros. Ah, le gars, tu laisses James Harden shooter, vous êtes des ouf. Je sais pas, DeRozan il avait quel âge à cette époque-là, mais il m'avait l'air young. Tiens, tu veux des shoots? Tiens, mange. Tu veux des shoots? Tiens. Trop facile. Tu overplay, il se retourne. Et hop. Too easy. And one. Je me demande juste pourquoi ils ont pas tous les mêmes chiens. Il n'y avait pas assez de matos. Mais ça c'était il y a combien de temps ça? Ok, là Kobe il a commencé à défendre sur James Harden. Ok. Ok. Money. Money. James on the pull-up for Bray.
Bah ouais, mon pote, reviens en défense, Kobe. Hein. Arrête de dormir. C'est James Harden quand même en face. Même spot. Change pas, hein. Toujours même chose. Toujours même chose. Ça touche même pas le filet, ça. Ça touche même pas l'arceau, rien. Ouh! Ah, dommage. Harden, il est fort. Franchement, Harden. Harden, il est où? Dans les arrières, je le mets combien? Est-ce que je le mets devant D-Wade? Non, Harden, je le mets pas devant. Je le mets juste après D-Wade. Jordan, Kobe, D-Wade, Harden. C'est dur, hein. On a pas mal de bons arrières. Dedans. Toujours la même chose, fade away. Oh là là. Quand tu maîtrises un move qui est inarrêtable, c'est fini. Hein. De ouf. De ouf. Gros, c'est une dinguerie. Je les respecte vraiment de faire ça parce que la dernière fois, il expliquait LeBron et tout. Que tu vois, il y a plein de petits jeunes bah, qui sont issus de la pauvreté. Et qu'ils ne peuvent pas justement aller voir bah, un match des Lakers ou un match de trucs, tu vois. Et le fait de venir. C'est DeRozan qui expliquait ça, pardon. Ouh. Et le fait de venir dans un, open, dans un petit tournoi comme ça, Open Gym, où c'est ouvert à tout le monde, où les jeunes ils peuvent venir kiffer, et peut-être voir pour leur seul. Peut-être la seule fois de leur vie, de proche, des joueurs NBA comme ça, de voir un show comme ça, c'est super pour eux, tu vois. Donc c'est DeMar DeRozan qui expliquait que quand LeBron était venu à Drew League et tout, c'était super pour lui parce que surtout ces gymnases là les gars ils sont dans des cités chaudes hein. Comme la Drew League et tout, c'est dans une cité chaude de Los Angeles. Donc c'est vraiment les gamins du quartier qui viennent, tu vois. Quartier défavorisé de ouf. Donc tu vois c'est lourd. Ouh, good move. Ouh, il aurait mis celui-là là. Bonne passe. Ah, il y en a plus à deux, frère. C'était pendant le lockout NBA, ça. De quoi, ce match-là, là? Je sais pas du tout. Je sais que ça fait longtemps, en tout cas. Parce que déjà, DeMar DeRozan, il m'a l'air jeune et Kobe m'a l'air grave en forme. Donc, c'était, je pense que c'était pas loin de son prime. Ça devait être dans les années 2010, je pense. Peut-être 2012, un truc comme ça. Le code c'était encore 2010. Le lockout c'était une dinguerie, hein. Le match qu'on avait et tout ça. Le jour où KD il est parti à Rucker Park. Oh! Le jour où KD il est parti à Rucker Park. Et il a complètement éteint le Rucker Park. C'était une dinguerie. Hein. C'était incroyable. Le lockout c'était une dinguerie. Moi, je m'en rappelle encore, c'était vers mes débuts. Furie, mais il se prend... Je sais même pas s'il a pris un tir à 3 points depuis le début. Il va juste à 2 points et chute. Il se prend même pas la tête. This is right after Kobe fell on. Ouh! Harden, il défend. Regardez comment il nous. Ouh, good deep!
Mais attends, mais comment il a fait pour attraper la balle comme ça, lui? Purée, mais comment il... Attraper la balle comme ça, c'est un truc de ouf. Oh la mauvaise passe. Mauvaise passe. Elle est trop mauvaise ta passe, Arden. Oh! Les trois choses se sont normales. Toujours il kiffe, ça, c'est vrai qu'Obi s'amuse. Tout le temps même chose. On va-t-il tirer à 3 points cette fois-ci ou toujours mes distances? Ah là, il est trop fort. Il est trop fort, Kobe, les gars. Non, Kobe, c'est une dinguerie. Il a vraiment marqué l'histoire de ce sport. Hard work, man. Vraiment un beau sort, Kobe. Goody. Ok, là, vas-y, Aden, vas-y. Quel malin, Aden. Il casse le couille avec son flopping, là. C'est trois floppers, Aden. Il casse le couille. Arrête de flopper, mon gars. Ceux qui sont dans le live, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, les gars. On a 6 likes sur la vidéo. Oh! Bon, c'est un live imprévu, hein. Je vais faire de quelle heure, les 2h du matin. Il y a quand même 25 personnes. Hein. Donc vous êtes branchés, les gars. Vous êtes branchés, les gars. Je sais que vous galérez comme moi. Ouh! Au PlayStation, ça n'existe plus maintenant, je crois. What's going on? What's going on? Trop facile. Trop facile. Andri montre jambe, papa, cross, panier. C'est quoi là, c'est le money time? Il est trop fort. Kobe! Kobe! Attends, il a mis quoi comme alley-oop là? Ouh! Moulin avant. Putain, mais les mecs ils jump. Hein. Wesh, il a la tête à l'arceau le mec. Goody. Bonne défense. Bonne défense. Ouh! C'est quoi le score? En plus, l'histoire de ce match, apparemment, il devait partir
J'avais pas bien compris. Abdallah, il devait rentrer chez... il devait pas rester jusqu'à la fin. Parce qu'en gros, il voulait pas que s'il reste jusqu'à la fin, que. En fait, la sécurité, apparemment, ils lui ont dit, ouais, faut que tu partes, faut pas que tu restes jusqu'à la fin, parce que si tu restes jusqu'à la fin du match, genre, ça va être trop bourbier pour te sortir, tu vois. Donc, il voulait, en gros, en plein milieu du match, que Kobe s'en aille sans faire de discrétion. Mais après, Kobe avait dit, non, 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 je vais jusqu'à la fin, genre. Tant pis si c'est bourbier. Et au final, il va se passer ce qui va se passer. Kobe, 137-137, 13 secondes à jouer. Game, 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 Mamba. Ah la dé. Je pense que ça doit être l'un des meilleurs moments. En fait, en tant que basketteur, je pense que ça c'est l'un des meilleurs moments. Genre. Tu vois, la joueur, regarde. Rien que tu vois dans la tête de ce père de famille là, à droite là. À droite, vous voyez la joie là du mec avec le polo blanc, vous voyez la joie dans ses yeux. Vous voyez comment il est heureux juste de checker Kobe, frère. Ça, c'est vraiment. C'est tough, man. C'est un rappel, hein. Même Kobe, qui a été un basketteur de fou malade. La mort, quand ça arrive, ça prévient pas. Hein. On va tous. C'est un truc de ouf. Il a passé ses années à jouer. Il voulait profiter de sa retraite et. Voilà. C'est une dinguerie en tout cas. Ok, bon.